bienvenue dans l'émission Les Clés du Manager. Récemment, vous avez appris à repérer un collaborateur visuel. J'espère que vous avez mis en pratique mes conseils et qu'aujourd'hui, vous apprenez effectivement à mieux gérer cette situation dans votre dynamique, justement, managériale. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un autre domaine, à repérer un collaborateur auditif. Dans quel intérêt? En tant que manager, dans quel intérêt? Il faut savoir que l'auditif, il a une façon bien particulière de s'exprimer. À travers ses mots, à travers ses verbes, les adjectifs qu'il va utiliser, souvent, on va les entendre dire « cela me parle ». Eh oui, vous avez déjà entendu un collaborateur le dire. Ou alors, j'entends bien que tu ne viendras pas aujourd'hui. Ça, c'est un auditif qui parle de cette manière. Vous avez aussi ceux qui diront aussi, je suis pas sous la même longueur d'onde que toi. Eh bien oui, vous avez déjà entendu un collaborateur qui parle de cette manière. Ils utilisent souvent des verbes, des expressions comme entendre, parler, évoquer, répéter, écouter. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont toujours besoin d'apprendre en écoutant. D'ailleurs, dans une méthode d'apprentissage, la méthode pédagogique, qui serait préférable, c'est d'utiliser un support auditif. Ça voudrait dire, chaque fois qu'ils vont apprendre quelque chose de vous ou de notre collaborateur, ce serait bien d'utiliser le canal auditif. Comme par exemple, votre voix, parce que ce n'est pas la peine de donner des documents, ni des supports écrits, ni des PowerPoint. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin peut-être aussi d'apprendre par la musique, parce qu'ils aiment d'ailleurs la musique. Alors, ce qui est important de savoir aussi, ils aiment beaucoup parler au téléphone. Et oui, ils sont souvent connectés au téléphone. Ça, c'est aussi très important de le savoir. Ils sont très facilement distraits par le bruit. Par exemple, dans une salle de réunion ou de formation, ce sont les premiers qui vont entendre la clim. Et oui, la clim, des fois, qui ne fait pas tellement de bruit, eh bien, l'auditif va entendre très facilement. Le petit moustique qui traverse la salle sans arrêt, eh bien, les auditifs vont l'entendre très facilement. Voilà pour ces petits conseils précieux que je vous propose de mettre en pratique. Notre émission arrive à son terme. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain numéro des Clés du Manager. Restez connectés. À très bientôt.